Un quart des Français posséderaient au moins un chien, ce qui en fait l'animal préféré après les chats. Si vous avez un chien, vous l'aimez sans doute autant, voire plus qu'un être humain. Ce qui est parfaitement compréhensible. Un chien vous aime d'un amour inconditionnel, il est toujours content quand vous rentrez, il est toujours là pour vous. Et quel humanoïde en ferait autant? Et quand on aime un être vivant, on aime avoir des souvenirs de lui, donc on le prend en photo. On l'immortalise, et vous avez probablement des milliers ou des dizaines de milliers de photos de lui. Mais la plupart sont assez banales et oubliables, pour être honnête. Vous cherchez depuis quelque temps des idées un petit peu originales ou sérieuses. D'autant plus que vous avez un autre fidèle compagnon, votre appareil photo. Et vous aimeriez bien vous en servir pour votre chien. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble 15 idées de photos à faire avec votre chien. Allez en avant, bien grand. En description, je vous laisse l'article complet qui traite du même sujet, où il y a 31 idées de photos à faire avec votre chien. Et en description, vous pouvez aussi retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo, donc je vous invite à vous y inscrire si c'est pas déjà fait. Alors, tel chien, tel maître. Alors évidemment, c'est un honneur pour votre fidèle compagnon de poser avec vous sur la photo. Et d'ailleurs, c'est réciproque. Alors, la meilleure idée, c'est sans doute que vous posiez avec lui. Vous pouvez par exemple le tenir dans vos bras, être assis côte à côte, de dos regardant au loin, jouer avec lui, marcher ou courir à ses côtés, vous asseoir en tailleur et le mettre sur vos jambes, lui faire un câlin, vous faire prendre en photo vous deux sur un paddle, ou lui en train de vous lécher. Le détail en macro. Si vous êtes aussi fan de macro que votre chien, cette idée va vous plaire. Quelle est la plus belle caractéristique de votre chien? Prenez votre objectif macro et prenez-en une photo détaillée. Quel que soit l'élément sur lequel vous souhaitez mettre l'accent, comme de jolies oreilles pointues, un nez humide ou des yeux pétillants, ces photos seront forcément captivantes. Troisième idée, chien mouillé. Il s'agit d'une idée très simple qui permet de créer des photos marquantes. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'eau et de savon. Contrairement aux chats, les chiens ont tendance à aimer l'eau, donc c'est pas le cas de tous, mais en général, ils ont tendance à apprécier l'eau. Donc la prochaine fois que vous laverez votre animal, prenez votre appareil photo et faites un essai. Quatrième idée, courir dans l'eau. Si vous avez un chien qui aime l'eau et qui est prêt à tout pour se baigner, c'est le moment de sortir votre appareil photo. Ces clichés sont super captivants et vous rappelleront à quel point votre chien est curieux et aventureux. Il faudra un temps de pause assez court pour figer tout ça, entre 1 centième de seconde et 1 160ème de seconde. Faites attention du coup à votre matériel, utiliser un tel objectif vous permettra de rester à bonne distance de votre animal et du coup des éclaboussures. Cinquième idée, les friandises. Les chiens adorent manger et recevoir des friandises. Et ça domaine car vous en aurez sans doute apporté quelques-unes pour attirer l'attention de votre chien pendant la séance photo. L'idée ici est de lancer un biscuit et de voir si l'animal saute ou attend le bon moment pour attraper la friandise. Dans tous les cas, ça fera une photo intéressante, vous verrez les mouvements du chien et son expression concentrée ou affamée. Sixième idée, en train de bâiller. Une autre idée de photographie de chien est d'attendre que le chien bâille et de capturer les expressions sur son visage. Bien que cela demande un petit peu de patience et de réactivité, et un bon timing, ça peut donner une photo marrante. Septième idée, se secouer. C'est automatique chez les chiens, s'ils sont mouillés, ils se secouent. J'ai déjà essayé de faire pareil après ma douche et me prendre en photo, mais je vous avoue que les résultats étaient assez décevants. Avec un chien, le rendu est bien meilleur. On voit les poils qui se balancent, les gouttelettes qui fusent de toutes parts, et l'expression du chien. Il faudra là aussi un temps de pause assez court pour figer ce mouvement, entre 1 160ème de seconde et 1 160ème de seconde devrait être un bon point de départ. Huitième idée, les bulles de savon. Votre chien appréciera certainement cette thématique. Remplir le cadre de bulles de savon qui ajoutent des couleurs et du dynamisme à la photo est une excellente idée de photo pour votre chien. Lorsque votre chien se met à courir après les bulles ou essaie de les mordre, l'effet est hilarant. Vous prendrez certainement de nombreuses photos amusantes et mémorables de votre fidèle compagnon. Neuvième idée, à la fenêtre de la voiture. Je suis prêt à parier que le passe-temps favori de votre chien quand vous êtes en voiture, c'est de passer sa tête par la fenêtre. Babines au vent. Il vous faudra un pilote pour cette photo, avec votre chien assis en sécurité sur le siège arrière, donc attaché. Ouvrez la fenêtre et prenez quelques photos avec le vent qui passe dans les oreilles de votre chien. 10. Faites un portrait classique. Je vous parle de plusieurs idées plus ou moins originales depuis le début, mais si on revenait aux bases. Et si on faisait une belle photo classique de portrait, mais efficace. Donc prenez un objectif standard, type 50mm à lentifixe ou un téléobjectif éventuellement. Positionnez-vous du coup vous et votre chien pour que la lumière frappe votre chien du coup de côté pour faire ressortir sa texture et ses détails. Mettez-vous du coup à la hauteur des yeux de votre chien. Faites en sorte d'avoir un arrière-plan très simple avec juste quelques couleurs ou quelques formes, pas de choses avec trop de distractions. Donc réglez votre appareil photo sur la priorité à l'ouverture, mettez-vous entre f4 et f9 pour estomper un petit peu l'arrière-plan. Vous prendrez sans doute cette photo à main levée, donc visez minimum 1 centième de seconde, pas plus long, sinon vous risquez d'avoir un peu de flou bougé sur la photo, et donc moins de netteté. Je vais essayer de valeur ISO basse comme 100, 200 ou 400 ISO si nécessaire pour pas avoir trop de bruit. Faites la mise au point sur les yeux ou l'œil le plus proche de l'appareil photo. Mettez-vous en orientation portrait si votre chien est face à vous. S'il est trois quarts ou encore plus de côté, mettez-vous en orientation paysage. En paysage, vous pouvez mettre votre chien sur deux points de force, à droite ou à gauche. En portrait, essayez de faire rentrer sa tête dans le premier tiers et ne laissez pas trop d'espace au-dessus de lui.
Enfin, mettez-vous en mode rafale si besoin, c'est optionnel, mais attention au tri derrière des photos. On imite un plan serré de sa tête. On pense souvent à tort qu'on doit ajouter un maximum d'informations et donc d'éléments dans notre photo pour photographier plein de trucs. Mais c'est faux. Bien souvent en photo, moins c'est mieux. Une technique simple pour simplifier une photo, c'est de cadrer. Cadrer serré. Comme pour les humains, vous pouvez couper un petit peu le haut du front, mais évitez de couper les côtés, à moins de faire un plan vraiment très serré. Faites bien la mise au point sur les yeux, votre photo donnera une sensation d'intimité et aura beaucoup d'impact. Deuxième idée, sauter. Comme pour les humanoïdes, tous les chiens ne sont pas égaux face au saut. Mais il faut voir que certains maîtrisent parfaitement cette discipline et ça peut être impressionnant à regarder. Une photo de saut, ça fonctionne toujours. C'est simple, efficace, on a un point d'intérêt. Et en plus de ça, certaines photos peuvent être drôles avec les expressions faciales de votre chien. Utilisez des friandises ou un jouet pour le faire s'élever dans les airs et commencez à prendre des photos. Alors, petit conseil, si vous photographiez votre chien de côté pendant le saut, s'il saute de gauche à droite, laissez de la place à droite de la photo, et s'il saute de droite à gauche, laissez de la place à gauche de la photo. Vous pouvez même vous amuser à faire un petit peu de panning, de panoramique avec votre chien s'il saute, si vous le prenez de côté. Je vous laisse en description un article qui parle de ce sujet, donc c'est un guide complet sur le sujet. Troisième idée, la distorsion du grand angle. Alors petit rappel technique, tous les objectifs ont une formule de distorsion qui leur est propre. Et tous les objectifs, peu importe ce que c'est, même un objectif standard, va déformer votre sujet si vous êtes positionné à moins de 3 mètres de ce dernier. Donc ici l'idée c'est d'utiliser un objectif grand angle en vous rapprochant de très près de votre chien à moins de 3 mètres pour créer des photos assez marrantes. Alors cet effet marche bien avec les animaux de manière générale et du coup les chiens n'y coupent pas. Il faut aussi bien le prendre en plongée au niveau de ses yeux ou à partir du museau. Aussi bien le prendre en plongée au niveau de ses yeux ou au niveau du museau. 14e idée, une touche de douceur avec une fleur. Vous êtes peut-être célibataire et chaque année pour la Saint-Valentin, personne ne vous offre de fleurs. Mais heureusement, vous avez un chien qui lui vous est fidèle et vous aime d'un amour inconditionnel, presque aveugle. Alors pourquoi pas faire une photo de votre fidèle compagnon tenant une petite fleur dans sa gueule. C'est touchant et vous aurez l'impression que quelqu'un vous offre quelque chose pour une fois. 15e idée, prêt à sortir. Le moment préféré de la journée pour votre chien, c'est sans doute le moment où vous partez vous promener ensemble. Il arrivera même peut-être des jours où il sera tellement impatient qu'il vous encouragera en vous apportant sa laisse. C'est marrant et mignon à la fois, c'est donc une bonne occasion de faire une jolie photo. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et de cette liste du coup d'idées de pose pour votre chien. J'espère que vous avez trouvé quelques idées sympas. Je rappelle qu'en description, je vous laisse l'article qui mène vers la liste complète d'idées à ce sujet. Et en description, vous pouvez aussi retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Moi, je vous laisse ici à vos photos canines et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.